pas l'air ravi de m'entendre. Moi qui pensais te faire une surprise. Ah bah oui, pour une surprise, c'est une surprise. Mais il y en avait une autre qui avait l'air surprise, c'est ma femme. Tu m'appelles à la maison, tu viens au cabinet. Mais c'est quoi la prochaine étape? Tu fous ma femme dehors et tu dors dans mon lit? Ça se pourrait bien. Fais attention, Alban. Cette nana, c'est un nid à embrouille, elle va s'accrocher à toi et tu pourras plus t'en défaire. C'est bien ça le problème. Dis-moi que tu m'aimes ou j'arrête? Bien sûr que je t'aime. Tu devrais faire attention. À quoi? À ta maîtresse. Ou alors t'as l'autre option. Tu fais comme Jean-Marc. Sa femme lui octroie une journée récréative. Ah, excusez-moi, j'ai oublié mon portable. Je vous dérange pas plus longtemps. Ce soir, chérie. Au revoir, mademoiselle. Et dis-moi, elle avait quel âge la champouineuse de l'autre jour? Hélène, la règle numéro 1, c'était justement de ne pas en parler, de ne pas chercher à savoir qui est qui. Je te l'avais dit que ça pouvait pas marcher, votre petit jeu. Tous les jeudis, ça rime à quoi? Alors tu rencontres quelqu'un le mardi dont t'as envie, tu lui dis non, reviens jeudi parce que ma femme veut pas. Parce que t'es un modèle, toi. Elle dirait quoi ta femme si elle savait que tu passes ton temps à baiser à droite et à gauche ou à surfer sur ton site de cul? Mais c'est pas un site de cul, c'est un site de rencontre. Pourquoi tu fais ça avec d'autres femmes et pas avec moi, tu comprends? Eh ben, mais c'est parce que je te respecte. Et t'es quand même gonflé de faire ça ici, hein. Regarde, il y a un couple qui a vu notre profil et qui nous a contactés. Ça fait 15 ans qu'on vit ensemble. 15 ans qu'il se couche tous les soirs à côté de la même femme. Je pense qu'il a besoin de se prouver qu'il plaît toujours.